Donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce 22e épisode de Metroid Prime 2 Echoes. Non, c'était naze. Oui, je sais, mais bon, je sais que Shuka savait pas ce que c'était un chiffre avec 2-2. Donc j'ai cru bon de lui rendre service. C'était une bonne idée, moi je trouve. Bref, là c'est toi qui fais bouger ? Oui. D'accord. Non, c'est le pape. Bah, c'est le son de ta vidéo, s'il te plaît, Thibaut. Pardon ? Baisse le son de ta vidéo. Je baisse le son de ma vidéo ? Ouais. On l'entend, d'accord. C'est Hector, le castor. C'est pas moi, parce que j'ai pas le son de la vidéo. Non, mais c'est... C'est Steve, là, il fait du bruit. Merde, je me chie dessus, moi aussi. C'est un petit truc. C'est chez Thibaut, le bruit chelou. Attends, oh, bah. je scrute le mumble. Oui, non, mais je suis aussi en train de le scruter. On s'en fout de l'épisode, là, on scrute le mumble. on a le nouveau viseur Echo. Ah oui, le viseur Echo, il est rigolo celui-là. Il est moche. On voit comme les dauphins. T'as les dauphins, on voit comme ça? Ouais, bah c'est des ultrasons en fait, hein, très concrètement. C'est comme ça que ça marche, les dauphins, les bêtes, les chauves-souris. C'est triste. À quoi il sert ce viseur? Alors ce viseur... Putain, c'est bon, je fais le bruit. Ce viseur, il sert à détecter les ondes sonores, en fait, parce qu'il y a des... Bordel! Mais il y a un truc derrière toi. Mais ouais, ah, Thibaut, t'as une machine à laver qui tourne. Non! C'est les cigales que j'entends dans mon micro! La vache! C'est des cigales! Damn! Damn ce... Non, mais c'est pas possible! Je vais foutre le feu à tous les arbres! Mais finalement, il y a tellement de friction, ça a foutu le feu. Mais oui, parce que quand je... Mon micro, j'entends quand je parle, enfin, sans délai, et quand je coupe le micro... Tu n'entends plus. J'ai rien, et dès que je le remets, j'entends les cigales, alors que je les entends de... What? Mais fermez vos gueules, la nature! J'étais bon, là, il n'y a rien chez moi. On a un nouvel invité sur cet épisode, la nature. La nature. La nature et ses 8 500 000 cigales de merde. Bon, bref, donc du coup le viseur Echo, c'est un viseur, parce qu'il y a certains interrupteurs qui marchent par onde sonore en fait dans Prime 2. Et du coup, dites bonjour. Quoi? Quoi? J'ai rien compris. Ça marche pas. C'est pas grave. C'est parfait, Thibaut. Je comprends rien. J'ai dit bonjour et puis il y a les cigales qui ont commencé à piailler. Mais parce que vous devez les entendre que quand je parle, non? Bah oui. Bah oui. Moi je les entends tout le temps. Bah non, on les entend des fois ça active le micro hein. Putain les salopes. Vas-y, c'est le contenu de tes explications sur le viseur Echo. Ah, j'avais pas plus d'explications, c'est des trucs qui marchent par onde sonore et du coup la troisième arme va servir à les activer en fait. Certains types d'interrupteurs avec la troisième arme. En fait, la troisième arme elle sert à rien, fait pas de dégâts, et le troisième viseur il sert à rien, il... La troisième arme fait pas de dégâts. Ouais. Je sais pas, moi. C'est une blague, mes gars. Je connais pas le jeu, hein. Non, mais tu verras. Tu verras. Tout recommencera. T'as besoin d'un super missile, mais t'en as pas. Ok. C'est quoi? Mais y'avait une fissure dans le verre. Non, c'est un truc que j'aimerais chercher plus tard, ça, rien de prendre maintenant. Bref. C'est magnifique à regarder, hein. Non, moi, franchement, je trouve ça cool l'idée de faire un viseur ultrason comme ça. Ouais, mais c'est un peu bizarre quand même. Moche. Faut que tu les tues, ces merdes? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on attend de Damien à les tuer? A chaque fois, Shuka, il y arrive pas. Pourquoi il les tuerait? C'est plutôt l'inverse qui marche, mais... A chaque fois qu'elle tombe sur la gueule à Shuka, elle le tue. Bon, ce qui est bien au moins, c'est qu'on a le petit signal. Attention, ici, il y a du réseau. Ah, j'en fais le Wi-Fi. Ah, putain. Mais ouais, tu tires dessus comme si tu le voulais pas. Putain, il faut le désactiver pour les ennemis. Et Hector, le castor. Mais ta gueule, bordel de merde. Ça marche bien, vous dites ta gueule. Si tu veux pas qu'on te dise, mec, je vais te retrouver brûler ta maison, vaut mieux que tu t'arrêtes.
voulais que je me barre en fait. Il était temps. Putain. Il était temps. Petit navire. Oh putain, mais ta gueule. Si tu veux pas qu'on vienne et que je. pas qu'on vienne et qu'on brûle ta maison, c'est pas mieux de fermer ta gueule. Tu n'as pas de boss. Ce truc. Ouais, GG. Et c'est pour obtenir quel style d'item? Rien. D'accord, c'est pas c'est de la merde. Rien. De rien. De rien. Tu peux tomber. Ah non, si, il te file une réserve de munitions. De. Non. De style, non? Non. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est juste là pour empiéter sur ta progression. C'est juste pour faire chier, mais ça marche. Mais tu peux tomber ou pas? Des rails. Oui, tu peux tomber des rails. Bah alors pourquoi tu le fais pas? Il peut des rails. Et voilà. Non, il peut juste tomber des rails. Oui, donc il déraille. C'est un petit peu dur de viser avec la boule morphine. Blablabla. Voilà, tu l'as défoncé le truc. Yes. Et... J'ai rien dit, moi. Qu'est-ce que tu penses? José. J'en avais déjà marre des deux qui la chantent en permanence, alors toi, si tu te rajoutes... Comment ça en permanence? On l'a jamais chanté avec Fous-moi la paix. C'est une blague ou... Base. What? Oui, what, c'est un Pokémon. What? What? Putain, mais tu sais pas sauter ou... Je t'avais dit que c'est ce que sa copine nous dit tout le temps. Shuka, pas de copine. Bah justement. voilà, c'était bien. Bon, on est toujours sur ce boss. C'est pas un boss, en plus il donne rien, c'est un bâtard. Pidi. Si, c'est un boss. Mais non, il donne rien. Non. Mais c'est... Je comprends rien. Tu dois tuer les trucs qui descendent et voilà. Et maintenant il t'a laissé le passage ouvert et t'as aucun. Rien du tout. Baiser. Progresser. Yay. Yeah, bonk, progress. Bonk. Ponk. Charge à jungle. Ah bah tu voulais rentrer dedans, tu peux pas. Que sa copine lui dit souvent. T'as fini. Mais t'arrêtes. Pas moi. Vous avez aucune preuve. Mais oui, c'est toi, c'est ça le problème. Jupon. Ce serait qui d'autre sinon? Jupon. Jupon. C'est génial ce jeu. Jupon. Et il retombe. Et toi tu tombes. Mais non, j'ai récupéré quelque chose. Chaka, ponk. Non, pardon. Ponk. Ça, t'es obligé de le faire avec la Solus ou de recommencer 18 fois. Et vu comme c'est cher à remonter. Exactement. Mais non, tu recommences une fois. Ponk. Il y a 3 trous, comment tu peux te planter? Tu veux copie. Vraiment savoir? Oh merde. Effectivement. Ah merde. Effectivement. On ira pas loin, Paul. Non. Pas loin, Paul, dans un donjon. Non, t'as réussi à mettre Paper Mario en français? Mais non. Je te jure, je peux pas. Non, mais c'est tellement magique, les traductions simultanées de Silver. Bonjour Mario, tu votes... Bref, il me dit d'aller par là. Je te jure, j'y mets de moins en moins de conviction dans ces traductions. Silver, commentateur sportif. Hello, how are you doing? Yeah, for example, this ball is false. Donc, il dit qu'il a fait un bon match. Il dit qu'il m'emmerde. Quel homme, miam miam. Ouais, tu viens me faire chier comme ça. Bon homme, miam miam. Go focus. Genre, tu te retournes pas, tu la vois pas, la réserve d'énergie. Tu l'entends, t'es supposé l'entendre si tu portes attention au jeu. Ouais. Bah tu portes pas attention au jeu. Et puis t'as... Genre t'as déverrouillé un endroit où tu dois utiliser le grappin? Nope. Ah bah c'est pour tourner en arrière en fait. Dans la coursie. Oh cet échec. Oh là 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 là. T'as failli tomber.
tombé là, tombé, tombé dans le vide, t'as failli. Thibaut ? La gueule. Thibaut ? Thibaut ? Ouais ? Thibaut ? Ouais ? Thibaut ? Ouais ? Thibaut ? Ouais ? Mais il arrête pas de dire ouais depuis tout à l'heure. Ouais ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris. Seulement, on savait. Mais toi, tu sais ? Moi, je sais pas. Je sais rien. Toi-même, tu sais. Lui-même, il sait. Nous-mêmes, nous savons. Et eux, ils savent. Oh là là, une belle réserve de munitions. Nous savons de Marseille. C'est... J'ai le droit de... Yeah, 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 yeah. Évite pendant l'épisode parce que ça me crée... Ok, c'est au port, je la hais, je la hais, je la hais, je la hais, je la hais. Pourquoi ? You hated this store. Pardon. Hate this store. Tu dois tout remonter ? Non... Si ? Oui. Oh, faut faire la moitié du chemin. Pourquoi t'as non, pas coupé ? Non, c'est parce que c'est obligatoire en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais. What the f? Android DK. Android DK. Mais qu'est-ce que je fais? Bah si on savait, on te le dirait. Mais qu'est-ce que je fais? Tu sais là, tu sais pas ce que tu fais, tu vois, c'est pas trop. Hein? Je vais repartir avec ma gang. Là, il se pose la question comment il faut défoncer ce mob. En prenant la fuite. Oh. Il est... Ah merde, il y en a un deuxième. Bon bah, fuck that. Non, mais j'en peux pas passer par là. Fuck. Ah, c'est dommage. Du coup, tu vois pas qu'il y a une porte à droite? Oh là là, mais en plus il est dans un tout petit couloir en fait. Oh là là. Ouais. Oh là là. And I said, yeah. Ta gueule. L'agression. Non, agression, il y a graisse. Yon. Il y a aussi dans yon. Graisse, il y a graissant. Hein? 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 Comment? Quoi? Mais qu'est-ce que je fais, bordel? Bah si on savait, on te le dirait. Je sais pas, c'est de la merde, j'ai envie de dire. Ah, une grosse chaise. Oh, j'espère que c'est une grosse la séquence où je brale absolument rien ici. Eh hey, merde. Eh hey, merde. Oh merde. Et du coup, tu vas dans l'endroit où je t'ai dit que tu devais aller, voilà. Bah non, on est revenu ici, ça sert à rien ici. Ouais, mais t'y vas. Ah, je sais ce qu'on va faire en attendant. Quoi donc? On va récupérer notre clé du ciel. Clé du ciel? Ah, clé du temple. D'accord, monsieur. Ouais, Masha. Mais mon seigneur. Encore du travail. Bien. Travail incomplet. Tuez-moi, monseigneur. Que dois-je faire? Oula, c'est quoi ça? Genre, ils sont méchants là, les. Bataille d'ultrasons. Psiou, psiou, psiou. Ça, c'est quoi? C'est un tower defense ou. What? La porte, c'est l'ennemi. J'ai rien compris. Non, j'ai remarqué un truc. Dans le monde de lumière, quand il y a une porte qui est de lumière, dans le monde d'éther, elle sera. Enfin, d'éther sombre, elle sera une porte de ténèbres. C'est vrai. Serait-ce les contraires j'ai, opposés. J'ai, comment j'ai tu remarqué. Peux. T'as pas réussi à la défoncer quoi. Là. Ça, c'est un petit peu dur à réviser. On te le dit souvent. Non, c'est moi qui le dis souvent. Nope. Lancer une saucisse dans un couloir. Nope. Tu ranges ta saucisse tout de suite. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire une saucisse dans le couloir là, mais.
Ah, une c'est, grosse... c'est une expression, c'est pour dire que c'est non, pas c'est pas une dur, expression. En fait. Y a pas de saucisse dans le couloir, ok. Tu te calmes. Tu te calmes, mange ta saucisse maintenant. What? Tu manges ta saucisse, c'est bien ça que t'as dit. Hein. Ouais. J'en ai mal rien que t'y penser. Tchoum. Oh, coucou toi. Coucou. Tu veux voir ma saucisse? Hey. Hey bitches. Sylve est mute je pense parce que ça fait un moment qu'on l'entend plus. Oh non, j'ai juste rien à dire, c'est pathétique. C'est qui t'éthique? Comme ça on pourra savoir si c'est pas vous. Je te jure Bigam, je vais trop trouver. À la Neocast. Ou au TGS. La Neocast c'est dans un an. Le TGS c'est dans moins d'un an. Et du coup, la Cavicon ? Lol. Bah, c'est une blague. Et du coup, tu nous vois là partir, prévoir des trucs pour août ? Ouais. Est-ce que tu m'as bien vu ? Cet épisode va sortir après la date que la Cavicon était supposée être ? Ouais, c'est vrai. Désolé, les viewers, hein, on record tôt quand même. Bah écoutez, la Cavicon. Sauf si on y est. Non. Si. Bah et ils seront déjà plus... ça sera déjà passé. Oui mais celle d'après... ils auront déjà... Mais il y aura pas de Cavicon. Qu'est-ce que tu comprends pas putain. Mais s'ils en ont fait une en avril, ils vont peut-être en refaire après encore. Non, ils m'ont dit qu'ils en faisaient pas une. Mais plus jamais, ils arrêtent. Non, ils font pas celle de cet été. Oui voilà, mais ils en feront d'autres après. Peut-être, mais on s'en fout parce qu'ils m'ont... Parce que le mec qui gère le truc de la Cavicon... Non, parce que je l'aime pas, le mec qui gère le Twitter de la Cavicon, donc du coup, j'emmerde. Je suis dans la bouche. Oh, pfff. Stwing. Bref, on parle pas du jeu en attendant. Voici la deuxième clé du temple de sombre. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous tout le monde. Ah, ciao.